Donc ici, on a le liquide du cylindre de clutch. On voit qu'il est vraiment, vraiment noir. Il serait supposé d'être translucide, dans le fond, transparent comme le liquide. C'est le même liquide que le liquide de frein. Donc ça, c'est le niveau qu'on voit ici. On a le mètre cylindre de clutch qui est ici. Ensuite de ça, quand on voit le tuyau, il va vers le bas. Il s'en va jusqu'à la transmission. Il va jusque, dans le fond, jusqu'au cylindre de clutch ici. Et là, c'est ça qui va activer la fourchette qui va pousser sur le bearing ou le roulement de butée. Donc, je vais demander à mon collègue de peser sur la pédale de clutch. Pèse sur la pédale de clutch! La pousser. On voit. Encore! Fait que là, on a vu que la tige, le liquide allait pousser sur la tige. Et donc, pousser sur la fourchette aussi.